Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va casser ici. On sait qu'il y en a un autre par là. On va récupérer. Ouais, du tout, on va. Oh, on a quelqu'un par là-bas. Très bien. On va faire attention. Bonjour. Burst. Vous voulez voir un burst, quoi? Non, il n'y a pas de burst. Ok. On va quand même partir en chase, parce que c'est ce qu'on doit faire. Hein. Au bout d'un moment, sinon ça n'a plus aucun sens. Voilà, et d'un hit. On va redescendre par les escaliers. Parce que c'est ce qu'elle va faire. En sautant. Voilà. On sait que là, il y a quelqu'un. Je sais pas s'il y a un piège là qu'on est posé, je sais plus. Donc c'est soit elle va derrière. Auquel cas, elle est un peu condamnée, ici. Ah, plus de palette. Peut-être un des dards là, mais... C'est pas le profil. Ah, ok. On va la récupérer, elle. On va la poser ici. Où est-ce qu'on a accroché? Juste là, parfait. Si elle sort de là, ça a posé un problème pour elle. On a déjà une indication sur qui est où. On va faire ça comme ça. C'est très large ici, hein. C'est beaucoup plus large qu'avant. On va la forcer à sortir par là. Jeff. Jeff! Jeff! Voyons, Jeff. Okay. C'est qu'ils ont envie de casser les pièges. C'est que l'autre est là-bas, qu'elle s'est soignée. C'est que le moteur, il est pas en régression ici, mais on va récupérer le piège qui est là-bas. On a deux pièges à récupérer. Celui-là, pour l'instant, c'est encore un peu chaotique en termes de placement. Parce que c'est pas tout à fait fixe, tout à fait clair. On a quand même des moteurs qui sont très exposés. J'ai pas de trigger. On a peut-être ce moteur qu'on peut récup. Qu'on peut verrouiller. On a les deux moteurs qui sont là. On a un moteur qui est là. On peut peut-être poser. On va peut-être également poser le piège ici. Pour l'entrée de la maison. On sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là. S'il se prend le piège, c'est Bali Balo. Palette pour rien. Si. Elle, on va pas aller en chase. C'est pas bien ça. On va pas aller en chase de Jeff. Hein. On va plutôt aller en chase directement de cette charmante demoiselle. Parce qu'on va pas. On ne va pas. Tunnel. Par contre, au bout d'un moment, ouais. On va être obligé de partir à gauche. Elle a pas de... Elle a pas d'échappatoire, elle. On va lui donner un hit. Si l'autre, enfin là... Elle m'a pas vu poser le piège, donc si elle essaie de prendre la palette, c'est un peu compliqué pour elle. Elle est encore restée là, donc c'est dommage. Allô pour elle. Voilà. Si elle rentre dans la maison, c'est double ballot pour elle. Ok. Ça sent le dédard. Voilà. Elle est ici. Je peux passer par la sortie. Il y en a qui s'est prise le piège ici. S'il y en a qui essaient de se soigner, je saurai. Qui se soigne? Je saurai. En revanche,
Mon trigène est cassé. Mon trigène est cassé. Je peux éventuellement récupérer des pièges par là-bas. Ok. Je sais qu'elle est ici, à l'intérieur. Je vais essayer de la bloquer de l'autre côté. Je l'entends à gauche faire le tour. L'autre a été libéré. Je ne fais pas de... Franchement, je ne fais pas de focus. Hein. Je ne tunnel pas, je focus pas. Je joue extrêmement propre. On entend des gens chouiner, là par exemple. Et on voit, avec grâce à vocation d'infirmière, des gens qui se soignent. On va prendre Jeff qui va se prendre le piège. Ou pas. On sait qu'ici, il y a quelqu'un qui fait le tour. Voilà. Qui d'autre est là? Ok. On sait. On va avancer un peu pour pas se prendre la palette. Voilà, on sait qu'il y a quelqu'un d'autre juste en face. On n'a plus de piège. Donc on va aller tout droit là. On va aller à gauche parce que c'est l'escalier le plus direct. On va vérifier que le piège, que le moteur, voilà, s'il monte. Voilà, par là. Attention. Oh, il monte. Oh. Bon, intimidation. Plus qu'un seul moteur, on est vraiment hyper propre. Hein. On est hyper giga propre. Hein. Pas se mentir. Ça nous porte à préjudice. Porte à préjudice. Et on peut jouer beaucoup plus sale. On peut jouer dégueulasse. Hein. On peut le faire. Elle va être coincée. À moins de partir à droite. Donc on va directement couper à droite. C'était sa seule alternative. Vu qu'à droite, il n'y avait pas de... Ouh, ça c'est moche. Ça, en termes de... En termes de portée, c'est un peu ça. Ouais, c'est... Si j'avais été à leur place, très honnêtement, ce serait un peu fâchouillé. Hein. Je sais qu'il y a quelqu'un en haut. Là, ici. On va aller directement là-bas. Peut-être même que le temps d'arriver, on va avoir fait... Ils vont finir le moteur. C'est fort probable. Hop, c'est smile. Ah, ça va. Voilà. Et que là-bas, ils ont fait un piège. Ils sont blessés. Oh. On va faire quoi? On va mettre ça dans l'obscurité noire et sombre. Juste là. Deux qui sont blessés. C'est Nir là. J'espère que tu vas bien. On va aller tout droit. Ok, se soigne. Si c'est quelqu'un qui est blessé, qui allait essayer de le soigner. Jeff. Ok. Je sais pas s'il va essayer de revenir. Ça peut peut-être jouer à ma défaveur. On sait qu'il y a quelqu'un en haut. On les a vus. Donc on sait qu'il n'y a pas de moteur. Allez, en haut. On sait qu'il y en a un qui est... Ok. Est-ce qu'il va venir ici? Ok. Il y en a un qui est blessé, l'autre non. Ok. Qui est là. La maison est grande, hein. On va replacer les pièges. On va vérifier que les pièges sont ok. Ah. Oh, j'ai entendu. Oui, j'ai entendu quelque chose. On va poser ça comme ça ici. Et récupérer ce piège-là. Charal. Je crois que j'entends quelqu'un courir, mais pas sûr. Hein. On a récupéré deux pièges. Ça peut être un avantage pour nous. On est... Tout le monde est en P2, certains sont en P3. Ici, c'est un peu miné. Si elle n'est pas toute seule, elle peut se libérer. Voilà.
C'est éloigné. Les deux sont là. Et elle est blessée. Donc on va les couper par là. Parce qu'ils vont faire le tour. Soit en allant dans la maison. Voilà. Et c'est sans poteau. Et là, il n'y a pas de palette. Peut-être même qu'elle a des dardes. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Ok. Très bien. On a coupé. Ça a été intéressant. Maintenant, ce qu'on va faire... Elle est en P1. Elle est en P1, mon gars. Moteur ici ou pas? On va casser ça ici. On sait que c'est compliqué pour eux de soigner. Ok, c'est élite. C'est que quelqu'un par là. Est-ce qu'on a une ouverture par ici? Non, hein. Aïe, 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 aïe. Ok, on a quelqu'un là. Et on a l'ouverture par là. Oh! Elle est blessée, on va pas à tunnel, of course. On va pas à tunnel. Elle est tout foutue, elle. Elle était plutôt propre. Alors, sa seule solution, c'est d'aller là-bas. Et surtout, sa seule solution, c'est d'être aidée, en fait. D'être protégée. Mais elle s'en fiche. S'en fiche total. Subiloski. Ça va top, je t'en remercie. J'espère toi aussi. Il y a personne d'autre qui va venir l'aider. Personne. Elle est foutue, elle. Ok. Les deux, là. Je suis désolé. Hein. C'est soit... Ok, il y en a une qui est partie. Et l'autre ici. Ils sont tous blessés. Et ceux qui vont pas faire, c'est venir l'aider. Ok. On sait que l'autre en face... Ouais, très bien, elle est foutue. On va vérifier s'il y a quelqu'un qui se soigne grâce à vocation d'infirmière. Ok. On sait qu'il y en a deux là-bas. Eh ben, c'est très honorable. C'est très très honorable. C'est très honorable. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voilà, si vous êtes tous les deux là. Voilà, vous êtes tous les deux là, les gars. Vous avez le courage, il y en a un qui attire mon attention. Hop là. Pendant que l'autre y va. J'ai posé des pièges, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et donc, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Joli. Et ça sera au péril de ta vie. Ok, attention. Et du coup? Et toi, tu as donné ta vie. Allez, vas-y. J'ai pas de tunnel. Voilà. Et voilà. Deux sacrifices pour une personne. Ouais, niveau rentabilité. Et 11 hooks.